Alors, il est super tard, il est 5h10. Voilà. Oui, c'est le seul jour de vlog parce que bah, j'ai Chéri qui est à la maison puisqu'il a fait ses dents. J'ai beaucoup la flemme et j'ai mon nouveau jeu. Donc, forcément, qui dit nouveau jeu dit Mamie et le geek et ne fait pas grand-chose d'autre. Voilà. C'est le seul jour de vlog, mais j'ai pas mal de choses à vous dire et à vous montrer. Avec les tic-tic des chiens. Alors, on va commencer par quoi? J'ai les éclairs, j'ai mal la tête, j'ai mal la tête, donc... Allez, bougez-vous, Yuki, bouge les pieds. Je vais commencer par les bougies Vinted, charmées d'aroma. Attendez, je me fais de la place, je vais bouger mon fauteuil. Je bouge les chiens en même temps. Donc j'ai reçu mes commandes Vinted où j'ai recommandé des bougies charmées d'aroma, vous les voyez là, et j'en ai recommandé deux. Donc voilà, d'abord j'ai pris celle-ci. Voilà, c'est celle que je vous disais, donc avec la maison hantée, sauf qu'il n'y a pas le bijou et il n'y a pas le haut, mais elle ira très bien dans ma déco. Et elles sont bonnes, je ne sais pas les notes, hein. Je ne vais pas m'amuser à chercher parce que je n'ai pas le temps, là, il faut que je fasse le montage après. Donc vous voyez, elle est voilà, elle est très belle. Je l'ai payée 7 euros parce qu'il n'y a pas le bijou et pas le haut, mais la cire n'a pas été touchée, à part pour enlever le bijou. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça, mais voilà. Et je la trouve trop jolie et elle sent divinement bon. Donc je suis contente. Et après, au pire, je peux encore m'en servir pour faire un espèce de bouquet de fleurs. Vous voyez que des citrouilles et tout ça, j'ai des feuilles d'automne et tout. Ça peut être sympa. Ensuite, j'ai pris ces deux-là. Donc pareil, le bijou a été enlevé. 10 en pièces. Elles sont trop belles. Voilà, ça faisait un moment qu'elles étaient dans mes favoris aussi. Donc il y a le petit panda ici. Je trouve trop kiki et Rudolf. Donc là, c'est un pot avec un couvercle. Le panda, il n'a pas de couvercle, mais je les trouve trop belles. Et en même temps que ça, j'ai commandé une tasse. Edwige. 7 euros, je crois. 6 euros? Ouais, 6 euros, la dame. C'était la même. Hein, donc voilà. Je suis trop contente. Alors ensuite j'ai reçu mon calendrier que j'ai commandé en Angleterre, Phil Ryan, tu vas pas t'y mettre aussi, avec les chaussettes, sauf que je n'aurai pas le Soap and Glory, je suis dégoûtée, en plus maintenant on a fait le unboxing et il a l'air génial, ils m'ont remboursé parce qu'ils ne pouvaient pas le livrer en Belgique à cause des parfums qui étaient à l'intérieur, ouais mais t'as quand même accepté mon paiement alors que c'était pour la Belgique, pas compris moi. Donc ils m'ont remboursé, donc je ne l'aurai pas, mais du coup, bah, j'ai commandé l'autre. J'avais commandé en même temps, sinon j'aurais pas commandé celui avec les chaussettes, mais bon, voilà. Et celui avec les chaussettes, il ressemble à ça. Alors il n'est pas incroyable, hein. On n'a pas de spoil, c'est ça qui est bien par contre. Il s'ouvre ici, comme ça, mais bon, je vais enlever le papier là quand ce sera le moment de les déballer. Et vous avez donc 24 cases et une chaussette par jour, c'est toutes des dépareillées. Voilà, donc ça fait 12 paires de chaussettes. Autant vous dire que de toute façon, je ne manque pas de chaussettes, mais j'ai trouvé voilà, principe des chaussettes de Noël, le calendrier de l'Avent. Ça pouvait que me faire plaisir. Mais parce que moi, les mugs et les chaussettes, c'est une grande histoire d'amour. Je ne sais pas pourquoi, hein, des mugs, j'en ai à gogo, mais je continue d'en acheter. Voilà, des mugs, des tasses. Mais le Envy, j'étais obligé à 6 balles. Et donc aujourd'hui, on a été chercher mon colis chez DM. Il est énorme, je ne sais pas comment je vais faire pour l'ouvrir. Alors je vais essayer de le mettre là au-dessus. Ça passe, ça passe. Voilà le bazar. J'ai fait ça aussi. Trop beau, hein? Ouais. Alors, je ne peux pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans et j'ai aussi quelques petits achats, mais je ne peux pas vous montrer trop ce qu'il y a dedans non plus. J'ai acheté de l'eau déminéralisée et du PQ. Bah non, tu vois, je t'ai pas menti. Et là, je ne peux pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc, je vais essayer de choper juste les calendriers. Alors oui, pour la petite histoire, on a été hier avec Chéri, donc en Allemagne. Heureusement que c'est pas loin hein, et qu'on ne paye pas l'essence. On a été hier. On arrive devant fermé. Je me dis, c'est quoi ce bordel?
Votre magasin en face, le Kik, fermé. Je regarde sur Internet, c'était un jour férié en Allemagne. Merci Google de ne pas m'avoir prévenu quand j'ai été voir les horaires de magasin la veille au soir. Et donc, nous voilà repartis ce matin pour aller chercher mon colis. Et du coup, on a fait un tour dans le magasin. Ah bah, je vais peut-être d'abord vous montrer ce que j'ai acheté dans le magasin. Bon, vous voulez bien bouger ? Allez, Zou. Oh, ils sont chiants. Bon, attendez, parce qu'il n'y a pas tout ça qui est rempli. Hein. C'est des trucs à remplir. J'ai plus de place. Ça, c'est pour la salle de bain. Et ça, c'est pour ranger dans mon linge. Ouh, ça se casse la gueule. C'est en train de se casser la margoulette. Alors, j'ai acheté, j'en ai acheté deux du coup, du bain de bouche comme ça. Ça ressemble vachement au Listerine, 10 en 1. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait parce que c'est écrit en allemand. Il n'y a pas d'alcool à l'intérieur. C'est de la marque DM et il est à 95 centimes, je crois. Donc, il est encore moins cher que celui de chez Action. Moi, j'utilise pour faire tremper mes dents la nuit. Parce que je ne les supporte pas la nuit. J'ai repris ma colo pour les sourcils Sayos, mais cette fois-ci je l'ai pris en châtain clair plutôt que foncé. Vu que comme je suis décolorée, je pense que c'est mieux. Je me suis pris un gel douche édition limitée. Je pense que c'est celui d'automne, c'est à la cerise et je ne sais pas quoi, c'est une crème de douche. Elles sont divinement. Elles sont la griotte. Et celui de Noël de cette année, avec les petites souris, trop mignon. Magical Witch. Il sent bon aussi. De toute façon, ça sent toujours super bon leur produit là. Et alors pour terminer, j'ai craqué. J'ai eu à la caisse à 4,95€ une colo grise. Donc je vais la faire, mais je pense que je vais faire juste sur mes longueurs. Puisque au-dessus, ils sont déjà gris. Mais je ne sais pas quand. Il faut que je vois quand est-ce que je serai motivée à le faire. Voilà. Donc, je vais ouvrir le carton derrière. Le big carton. On a rigolé avec la dame qui m'a... Parce que... C'était en retrait automatique normalement, mais comme il est trop gros pour rentrer dans les cases automatiques, il faut appeler quelqu'un pour qu'il aille vous le chercher. Sauf que moi et mon allemand, il est très 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 loin, donc heureusement elle parlait un petit peu français, parce que moi c'était un mix entre l'allemand, l'anglais, le français, on ne sait pas trop quelle langue je parlais. Allez, ici. En plus, ça me fait un grand carton pour mettre le soap de Manon. Oui, à mon avis, tout rentrera pas dedans, mais on verra bien. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Le premier, c'est le Trend It Up. Donc, c'est la marque de maquillage de DM. Vous voyez ici au-dessus, c'est marqué DM. Et je me suis dit que vu que j'aime tellement leurs soins, eh ben, que j'allais tester le calendrier. Le prix n'est pas noté dessus, mais je crois qu'il était à 27,99€, je crois, un truc comme ça. Donc, on va juste l'ouvrir comme ça, hein, parce que c'est pas encore... Regardez comme c'est beau. Il y a des Bambi. Il y a des Bambi. Oh, il y a une case en forme de cœur ici. Et donc, voilà, le petit spoil pour Manon, c'est celui que je t'ai pris pour le jour 1 de notre calendrier d'avant. Je crois que tu l'avais compris. Bouge-toi! Ensuite, nous avons le calendrier de l'Avent ici. Il est trop beau. Il est vraiment bien fait, je trouve. Bon, le couvercle, il n'y a rien dedans, hein, c'est juste de la déco. Et attendez, je peux enlever le carton de toute façon. Ah ben là, vous avez les couleurs. Je ne suis pas sûre que ce soit les couleurs qui soient dedans, je ne sais pas. Je vais m'attarder dessus. J'ai pas envie d'être trop spoilée. Là, par contre, ça a bougé. Donc, il faudra que je les remette en ordre
Oh, j'arrive pas à enlever le carton. Ils tiennent pas bien dedans. Je veux pas le faire tomber. Oh, mais il m'enquiquine, hein, dis donc. Ah ben, ça va, il n'y a qu'une face que ça a bougé. Donc voilà, de chaque face, vous avez les cases. Donc il y en a des full size, il y en a des mini, enfin il y a des accessoires et tout ça. Mais voyez ici, ça a un peu bougé, il faudra que je le remette en place. Mais voilà, ça présente super bien, je trouve que c'est vraiment bien fait. J'ai hâte d'être au 1er décembre, vous ne pouvez pas vous imaginer. Enfin, je crois que tous ceux qui ont acheté des calendriers de l'Avent sont dans le même état que moi. Et pour terminer, le fameux Balea. Voilà, donc ça c'est la marque de soins DM et je l'adore. Je l'ai découvert grâce à Manon d'ailleurs. Elle vous a fait le unboxing et le concours, mais je ne sais pas s'il est encore actif. Mais voilà, allez voir sur sa chaîne, hein, By Manolita, je vous rappelle. Et voilà, j'adore ce calendrier. Il est vraiment complet, les odeurs sont à chaque fois. Les odeurs et les packaging et le calendrier en lui-même sont toujours... changeante d'année en année. Là je sais pas trop, il est à 16,95€, donc ça coûte vraiment rien, mais je sais pas trop les odeurs vanille et je sais pas, mais il y a toujours un vanillé et un peu plus il y a toujours, j'ai l'impression, un fruité ou fleuri et un sucré, un peu plus sucré comme ça. Une fois c'était du chocolat, la première année que j'ai pris je crois que c'était du chocolat. Mais voilà, j'adore leur produit. Et je crois que c'est tout. Bah là, je ne peux pas vous montrer en fait. J'avais les pieds, hein, mais... Non, le reste, c'est des cadeaux. Ah, c'est ça. Vu que je ne sais pas si je l'avais acheté la dernière fois ou pas, je me suis commandé le spray comme ça. Je ne sais plus ce qu'il fait. Mais je crois pas que j'avais pris la dernière. Je crois que j'avais pris que l'autre. Ouais, non, l'odeur me dit rien, ils sont bons. Je ne sais plus, je ne sais plus si j'avais acheté la dernière fois que j'y suis allée ou pas. Et ceci, le reste c'est des cadeaux, donc je ne peux pas vous montrer. Je me suis pris un petit kit de Noël Essie. J'ai trouvé les couleurs super belles. Donc vous avez une lime à ongles que moi je n'utiliserai pas, de Tweezerman en plus. Et les deux vernis à l'intérieur. Et je les ai trouvés trop beaux. Trop beaux. Je ne sais pas si vous allez voir les reflets. Voilà, ici c'est deux à effet, hein, ce n'est pas des classiques. On a le Geek Chic. Oh, tout pour moi. Et le Feel the Fizzle. Un truc comme ça. C'est trop beau. Je pense que je dois refaire mes ongles. Je pense que je vais tester le gris tout de suite. À mon avis, ça sort du noir. Ça doit bien... regarder comme c'est... les effets sont magnifiques. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Et ça, c'est pour jeter. Et ça, ben, je vous mettrai en concours. Donc oui, voilà. Il me reste encore le Pélouise à recevoir. Hein, mais ça sera vraiment fin novembre. Il l'envoie très tard pour pas qu'il y ait de spoil. Et j'attends le Glam Shop. Il y en a un qui est sorti sur Boozy Shop, mais il n'a pas l'air top top. J'attends de voir le Glam Shop, mais je pense pas que je vais le prendre. Parce que là, j'ai quand même explosé mon budget calendrier. J'en ai quand même pas mal. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5 avec le Catrice, 6 avec le Pélouise que j'attends, 7 avec le calendrier de l'Avent que je fais avec Manon en swap, et elle m'a mis le essence dedans, donc ça me fait déjà 8 calendriers. Donc à moins que le Glam Shop sorte vraiment du lot par rapport aux années précédentes, parce que ça reste quand même assez redondant, même si j'adore leurs produits, et qu'en plus l'année dernière il y avait du soin qui est génial,
Je vais voir le contenu et je me déciderai après. Mais bon, me connaissant, je suis capable de craquer encore. Et hier, j'ai commandé la nouvelle palette Jolie Beauty. Donc voilà, il y aura un crash test, enfin, un swatch and make-up dans un vlog quand j'aurai reçu. Manon l'a commandé aussi, donc vous aurez un deuxième make-up. Et voilà. Maintenant, je vais pouvoir attendre d'acheter du... Il est en train de bouffer le carton. Du papier cadeau de Noël pour emballer le swap, faire le petit menu, et enfin le petit, faire le menu. Et je suis trop contente de ce que je lui ai pris, j'espère qu'elle sera aussi contente de les déballer. Donc voilà, petit vlog très court sur une seule journée, je suis désolée, mais on sera plus tranquille la semaine prochaine. Hein. Là, j'ai Chéri qui est là depuis mercredi, il dort beaucoup avec les cachets. Et puis bon, je me suis un petit peu occupée de lui aussi, hein. Voilà, les premiers jours, il a fait popo, et je sais ce que c'est, que moi je suis passée par là il n'y a pas si longtemps que ça. Et encore, lui, il a moins mal parce que c'est pas toutes les dents. Mais voilà, je veillais un peu sur lui, et puis bon, là, on s'est tapé deux fois l'Allemagne pour rien. Et ça m'a pas eu beaucoup cours cette semaine non plus, il a pas eu cours lundi, il a pas eu cours mercredi, jeudi, il avait que 2 heures de sport, donc je lui ai dit, c'est bon, on reste à la maison. Et aujourd'hui, du coup, il m'a dit, écoute, vu que tu dois me faire un mot pour jeudi, tu veux pas mettre pour aujourd'hui aussi. J'ai dit, bon, on dira que t'as eu la gastro, hein. Mais il n'avait pas cours toute la journée non plus. Il y a des profs qui sont déjà en dépression. J'ai envie de dire, faudrait peut-être changer de métier. Hein. Voilà. Bref. Bon, moi, je vais ranger mon bordel. Ou pas. Peut-être demain. Je vais monter ce vlog et puis comme ça après je pourrai rejouer. Je vais mettre mon rôti au four aussi qu'il ait le temps de bien cuire pour pas qu'il soit trop trop dur pour que j'aie facile à le manger. Et voilà. J'ai tellement hâte d'être le 1er décembre là, vous imaginez même. Enfin, en fait j'ai hâte d'être à Noël. Mais le problème c'est que Noël, moi une fois que c'est passé, c'est fini. Vous voyez, après ça me saoule. Mais ouais, moi une fois fin septembre, mi-septembre même, je commence déjà à être à fond dans Noël. D'ailleurs, j'ai reçu une petite commande Vinted, Temu. J'avais commandé des autres trucs comme cadeau. Et je vous montrerai ça mercredi, dans le contenu de mercredi, parce que j'en attends encore une avec des fringues. Oh, j'ai mal le crâne en plus. Parce que je me suis recommandé des pulls et je me suis pris un jogging spécial Noël. Que moi, clairement, je vais m'en servir pour traîner à la maison et en pyjama. Mais c'est un spécial, oui. Qui a l'air bien chaud, donc j'ai hâte de le mettre. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous n'êtes pas fâchés que j'ai fait le vlog sur une journée. Désolée. Mais bon, j'ai profité de mon chéri et j'ai pris soin de lui, donc voilà. N'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve... Alors, je ne sais pas s'il y aura de vidéo lundi, parce que du coup, j'ai glandé sa race. Je ne pense pas que j'aurai le courage de filmer demain ou dimanche. À moins que je vous mette encore un short. Je ne sais pas. Je vais voir suivant. Je pense que vous aurez un short. Parce que là, en plus, j'ai mal le crâne. Dimanche, chérie, à foot. Donc, je pourrais peut-être tourner dimanche matin. Tiens, tranquille. Je ne sais pas. Je vais voir. Mais vous, je ne sais pas si il y aura une vidéo ou pas. Tout simplement. Et voilà. Donc, moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.